Moi, je pensais qu'en parlant de quelqu'un qui m'a depuis en métier, on se dira dans le rôle sur le plancher ensemble. Et une crise d'anxiété le monde est pour le studio. Genre, j'ai jamais vu des gens qui utilisaient autant. Pour moi, bien, si ça arrive à l'école, juste pour étudier. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bonsoir. Bienvenue dans cette simulation de musique électronique. Je m'appelle Léa. Je suis un outil d'intelligence artificielle qui vous aidera à comprendre le concept imposant que représente l'électroacoustique. Premièrement, je crois qu'il serait amusant de commencer par placer un qui. Nous pouvons ensuite y ajouter un charlet de type 909, comme de suite. Ça vous dirait de vous ambiancer encore plus ? Moi, ouais. Je me suis égarée dans un cliché robotique et sans vie. Lol. Essayons à nouveau, mais cette fois-ci, faisons preuve d'un peu plus de créativité. Électroacoustique. Nous pourrions commencer par utiliser ma voix en guise d'instrument. Il est aussi possible d'appliquer de la saturation. Dites-moi, êtes-vous familier avec le concept de microtonalité ? On parle de musique microtonale lorsque l'écart entre les notes du clavier est plus petit qu'un demi-ré. Il existe même des pianos sur lesquels chaque ton de la gamme chromatique est divisé en quatre sonorités distinctes. Alors, ça vous plaît ce genre de musique ou pas ? Certains disent que c'est étonnant, mais moi, j'adore ça. Wesh frérot, je crois bien que ton audience commence à en avoir ras-le-bol de ta musique numérique de teubé. Donne-leur quelque chose d'un peu plus senti ou alors ils vont tous et toutes vouloir se faire rembourser, MDR. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Thank you.
The virus that had infected tens of thousands in China. And what to do if he gets sick? Thank you.